Alors, on commence par prendre deux mèches devant la tête, d'à peu près de cette largeur. Et on les laisse pour l'instant, on s'en occupera à la fin de la coiffure. Alors ensuite, on sépare les cheveux en deux. Et on va venir faire un nœud tout simple, bah comme quand on commence à lacer ses chaussures, un nœud simple, avec les deux mèches. Voilà. On serre bien. On fait un deuxième nœud. Alors vous pouvez ouais, torsader la mèche pour que ce soit plus simple à passer, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà, vous serrez bien. Alors ensuite, bah, ça dépend de la longueur de vos cheveux. Mais moi, comme ils sont assez longs, je vais faire trois nœuds, donc. Donc là, j'en fais un troisième. Si vos cheveux sont plus courts que les miens, bah, vous pouvez tout simplement en faire deux, c'est pas gênant, ou même un. Donc là, j'en fais un troisième. C'est un peu difficile à la fin, comme les cheveux sont plus courts. Voilà, alors une fois que vous avez fini, il vous reste donc les deux petits bouts de mèche. Donc vous les attachez avec un élastique. Vous les attachez ensemble. Et ensuite, je viens donc cacher cette petite queue en dessous du chignon. Voilà, on la dissimule bien en dessous. Et on vient l'attacher avec une épingle. Alors une fois que c'est fait, vous venez prendre les mèches, une des mèches de devant de tout à l'heure qu'on avait laissée, et vous venez la tourner autour du chignon. Vous attachez avec une épingle, une pince à chignon. Et vous faites la même chose de l'autre côté avec la deuxième mèche. La passez en dessous, au-dessus, et vous attachez bien. Et vous avez terminé. Voilà, alors si la vidéo vous a plu, si vous voulez me dire ce que vous en pensez ou me poser une question, bah laissez un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Bye!